C'est reparti? C'est reparti. Ouais, c'est reparti. Vendu. Donc du coup, si je me rappelle bien, vous vous dirigez à l'héliport. Exact. Vous êtes sur le toit du coup de l'héliport. Tout à fait. Ouais. Vous êtes sous le vent, notamment des pales de l'hélice qui sont encore en train de tourner à toute ouais. vitesse. Ça fait un bruit monstrueux, limite assourdissant. Ok. Et vous avez les pales qui commencent à ralentir petit à petit, mais sur ce genre d'engin, c'est pas instantané. La porte s'ouvre au fur et à mesure que l'hélico s'arrête petit à petit, et vous avez donc quatre personnes qui descendent. À quoi ressemble-t-il? Quatre. Je vais vous les mettre tout de suite. Quatre. Oui, le quatrième, on l'a pas encore vu. Du ouais. Quatre. On sait. Tu veux répéter encore? On a que trois cibles à protéger. La quatrième, c'est ah non, on les protège tous les quatre. T'as pas intérêt de nous faire le coup que le quatrième ce soit le machin parce que là, franchement, ce serait dégueulasse. C'est un mi-ours, mi-gobelin et remi-ours derrière. Ah non, c'est un robot. C'est un robot. Voilà. Donc, du coup, vous avez en face de vous une personne qui avance d'un air assuré, habillée en tailleur. 1m80, taille mannequin, longs cheveux blonds. Et vous avez donc celui que vous reconnaissez comme étant le majordome à gauche, avec un robot à sa droite. Une jeune demoiselle, donc à la droite du robot, qui elle est en train de pianoter sur une tablette. Ok. Ok. Eh bien déjà, on va dire bonjour déjà, ça devrait être pas mal. Attendez, je peux te présenter. Du coup, on est d'accord que c'est un robot. Oui, c'est un robot. Et d'ailleurs, il tient une espèce de mallette un peu plus large qu'une mallette entre ses mains. Ah, il tient quelque chose. Un robot qui tient ouais. quelque chose. Ah bah, à tous les coups, c'est le réacteur. Ouais, à tous les coups, c'est le robot, le réacteur, ouais. Du coup, très bien. Bah, il faut agir rapidement parce qu'ils viennent d'arriver. Et il va falloir qu'on y pense. Il va falloir qu'on les sécurise rapidement. Réfléchissons. On peut communiquer entre nous brièvement avec Mélusine. Est-ce que vous avez demandé à Ghost d'être connecté et si oui, comment? Il l'avait demandé déjà avant. On avait dans, demandé, ouais. tu sais, le truc, il y en a les pensées. Oui, oui, mais ça c'était lors du scénar d'avant. Il y a quelques jours qui se sont. Bon, on a toujours gardé. Écoutez, puis dites-moi comment vous êtes configuré. On est branché. On a tralique neuronale par les pensées là. Ouais, mais est-ce que c'est que Rodvald et Mélusine ou est-ce que c'est toute l'équipe? Tous les quatre. Ah non, nous aussi, ça peut être utile. Ok. Donc bah, vous pouvez discuter entre vous, ils ne s'entendront pas, a priori. Donc je donne l'intel aux deux autres au niveau de l'information, parce qu'ils ont quand même dû, mais ils n'ont pas le détail. On a donc en vue actuellement quatre personnes. On a identifié directement Alice Barton, Priya et Alfred. La quatrième personne est visiblement non pas une personne, mais une entité, un robot, qui porte à sa main une mallette. Non, c'est deux mains. Elle est si grosse que ça. Ouais, elle est un peu plus épaisse qu'une mallette, mais ça reste plus petit qu'une caisse. C'est un fils de marin. Il tire la barre. Ouais. C'est ça. Ok. Très bien. Bon, du coup, bah, il tient la mallette à deux mains. On ne peut pas identifier immédiatement, on ne peut pas dire si le bioréacteur est dans le robot ou si le bioréacteur est dans la mallette. Nos yeux bioniques ne nous permettent pas de détecter les sources d'énergie ou ce genre de choses. Ouais, mais devant des gens, on ne va pas rester pendant une demi-heure devant eux, quoi. Tant qu'ils descendent. Je l'ai arrivé, les pauvres. Alors, ouais. Les sources d'énergie, non. Par contre, vous avez quelqu'un qui possède une vision thermique. Il est pas là. Le nain. Ouais, mais vous pouvez communiquer avec lui. Allez, tu peux essayer de voir quelque chose. Allez, regarde. Dans la mallette, par exemple. Bah. Avec ta lunette de sniper. Activation de la vision thermique. Ouais, tu me fais un test de perception. Tout à fait. C'est l'icône d'œil, sachant que, regarde bien, tu as les bonus. L'icône ouais. de deuil. Bonus d'XP. Voilà, j'ai pas vu, je mets pas de bonus. Alors, juste avec tes yeux bioniques, t'as un bonus de plus 2, je crois. Relance. C'est quoi? Tu vas y arriver. La perception, c'est logique plus volonté. Logique plus volonté. Donc, et ton poste, logique plus volonté plus 2. 11. Ok. Attends, logique plus volonté plus 2 ou c'est 2 relances? Je vais vérifier. T'es dit, hop, œil cybernétique permet de relancer. Donc tu peux relancer un échec. Donc là, tu peux relancer un dé sur ce que t'as raté.
relançons un dé. Alors, 1, 10, c'est ça. 1 des 6 supérieur à 5. Roll, slash roll, 1 des 6 supérieur à 5. Sinon, tu cliques sur l'icône de dé sur ta feuille de perso, ça marche aussi. Non. Et donc, succès, ouais. Alors, tu repères les trois formes de chaleur des trois êtres vivants. Tu repères une source de chaleur au niveau du robot, mais plutôt froide. Mm-hmm. Voilà, bon, c'est pas... ça reste une machine, donc... C'est normal. Voilà. Mais par contre, t'as le... dans le caisson, t'as une lueur. T'as une lueur qui est un peu plus vive. Ok. Très bien. Okay, donc, source de chaleur dans la mallette. Bon, bah, je passe l'information. Ouais, ils l'ont. Parfait. Voilà. Je propose à Mouli d'entamer une tentative de piratage du robot. Même si tu es trop loin. Non. Je suis trop loin. Non, par contre, Mouli, tu peux prévenir les équipes de H. Qu'ils se tiennent prêts, ça va commencer. Ouais. Je transmets le message. Donc, du coup, qu'est-ce que vous faites avec vos invités là? On va leur dire bonjour. Déjà, bah, c'est parti. Voilà. Décrivez-moi ce que vous faites. Eh bien. Nous avançons, je pense, tous les deux avec Rothfeld. Nous commençons à saluer Mademoiselle Barton. Enchantée, je suis... attends, deux petites secondes. On a un Rothfeld qui s'est déplacé aussi. Oui, juste une seconde. On me connaît sous le nom de quoi? De Mélisine ou de... Bah, alors, tu peux donner ton vrai nom si tu veux, mais c'est des conseillers. Ils te connaissent pas, ils savent pas qui tu es, ils ont pas ton identité. Ah, ils connaissent pas mon identité. Bah la comtesse, hein, ça va très bien, de toute façon personne ne sait qui c'est. Hein. Ça va ou pas? Il va falloir un nom et un prénom, quand même. Nom et un prénom. Jeanne Moreau. Oh, ouais, c'est ça, Jeanne d'Arc, oui. Jeanne d'Arc, c'est bon. Allez, Jeanne d'Arc. Allez, Jeanne d'Arc. je m'appelle Dark. Tu t'es sorti tellement spontanément, c'est Jeanne d'Arc. Je suis Dark. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Okay. Jeanne d'Arc. Donc Mademoiselle d'Arc. Ah oui. Très dark, je mange que des aubergines. Et je bois du jus de tomate. Vas-y, je t'écoute. Dis-moi à qui tu t'adresses et fais-moi ta présentation. Je m'adresse à qui? Je m'adresse à Miss Barton. Bienvenue dans notre belle ville. Nous sommes l'équipe de protection allouée par Ares Security. C'est ça? Je suis pas trompée. Putain, ça y est, j'oublie des trucs. Par Ares Security, nous allons donc assurer votre sécurité durant ces deux jours passés dans notre belle cité. J'espère que le voyage n'a pas été trop difficile. Donc tu t'adresses à la personne qui est devant toi, c'est ça? Bah, vaut mieux, oui. À ce moment-là, t'as la personne qui est devant qui commence à prendre un air gêné. C'est pas elle. Et t'as la petite qui est à droite qui lève les yeux de sa tablette dans ta direction. Tu vas me troller là. Et qui te dit Mademoiselle Dark, c'est bien ça. Si c'est une blague, sachez que je trouve cela particulièrement offensant. En fait, il faut pas s'adresser directement. Je pense que c'est ce qu'il entend. Il faut pas s'adresser directement à elle. Voilà. Et donc là, t'as la femme qui est devant, qui se retourne et qui s'incline et qui dit « Je vous prie de m'excuser, mademoiselle Barton. C'est moi qui aurais dû leur donner totalement, clairement. Les informations. Ah oui. L'hôtel la balaye d'un geste de main. Fait, non. Tu as fait ton travail. C'était à eux de. Nous a pas donné les informations. Ouais. Ça, c'est vache. Eh ben, je m'incline bien bas devant vraie Miss Barton. Pardonnez mon impudence, clairement. Pardonnez mon impudence, madame, je n'avais pas reçu... J'avais reçu de mauvaises informations. Non, faut pas que je dise ça, sinon elle va se vexer. Je vous prie de m'excuser, madame Miss Barton, pour cette méprise. Il n'y a absolument aucun problème, mademoiselle Dark. Nous ne pouvons pas demander à tout le monde d'être efficace. Ça va, merci. Bien. Allons-y. Je vois qu'elle avance dans un halo de lumière, parce qu'en fait le ciel est couvert et il y a juste une lueur qui tombe sur elle et c'est là où je lui sors. Que Dom se presse vers la lumière, non pas pour mieux voir, mais pour mieux briller. Voilà, bref, qu'importe. Allons-y, je me présente, je suis Barclay, Eddie Barclay. Je suis là pour vous protéger. Avançons. elle
te jette un regard aussi. Vous êtes donc du coup l'équipe chargée d'assurer ma protection. Vous êtes les branques. Bien. C'est vraiment ça? Merci de m'apprendre quelque chose que je savais déjà. Si Non, maintenant la poésie, elle la pouvions, connaît pas. voilà. Si maintenant nous pouvions poursuivre avec la suite du programme, j'imagine que vous avez prévu un véhicule de transport. Mais je l'ai Tout à invité fait. à avancer, donc du coup nous avançons. Attends, moi je reste en Ils retrait. avancent. Autorisation de tirer dans l'hélicoptère ou C'est Proche. très tentant, mais non. Ah. T'es au courant quand même que tu nous avais présenté la blonde comme étant Alice? Non, je vous ai présenté trois personnes. Oui, Non. il a jamais dit que c'était C'est maintenant. vous qui avez décidé que la blonde était Alice, mais je vous rassure, c'était voulu. Je m'attendais à ce que vous fassiez l'erreur. Hein? Salopard. Non, en fait, la blonde, c'était Alfred. La blonde, c'est Priyar Avanico. Et la petite, c'est Alice. Vous aviez un indice quand vous avez enquêté sur le passé de Alice. C'est une personne qui a. C'est un génie prématuré. Un génie précoce. Tu sais, elle a fait toutes les grandes écoles Oh my très god! tôt, etc. C'était Ah non, mais ok, là, non, là mais c'est ok, très bien. Ah, capillotracté, mais hein, on carrément. est Ok, très d'accord. bien, bon, validons. Très Allez, bien. go, vas-y, Voilà. next. Ok. Ouais, non, mais c'est. Oui, très bien. C'est capillotracté. Du coup, vous descendez, vous arrivez jusqu'à vous. Oui. Ok. Donc, du coup, vous arrivez dans la rue. Oui. Vous vous apprêtez à les faire monter dans le véhicule. Oui, avance-toi. Soudainement, de façon totalement imprévue. Évidemment. Elle a pris sa voiture. Totalement. Vous avez. Que je les retrouve. 25 malfrats. Les poteaux qui vont faire du bruit. On va juste tendre le doigt et pi, pi, pi. Et puis il tombe. Putain, bouge pas de là, il va nous faire ça à sa sauce, l'autre saucisson là. Ça fait quand même beaucoup de S dans une seule phrase. C'est une allitération à S. Sa sauce au saucisson. Écoute, c'est 5 ans d'études en école de magie pour bien prononcer les S. Pour l'instant, nous descendons donc de l'héliport. L'héliport, comme on avait identifié, était un lieu qui était plutôt commun, plutôt classique. Arrivé en bas, la rue semble plutôt calme. Calme. Peut-être un Mais peu trop le robot, calme. par contre. Un peu trop calme. Justement, j'en suis un petit peu suspicieux. Je leur dis, je vais m'avancer. Je propose à. Peut-être Alfred de se joindre à moi, si Alfred est d'accord, pour qu'on soit un petit peu en avant, et qu'on puisse justement leur donner des indications à Mélusine et à Priya ainsi qu'à Alice. Moi, je reste derrière et j'observe tout. Ouais, vous restez un petit peu en arrière. Sachant que dans le bâtiment, il y a deux sorties. Il y en a une, celle qui est juste devant, et il y en a une qui serait par derrière. Et l'idée, c'est qu'avec Alfred, bon, on puisse nous avancer. Avec Alfred, on prend aussi le robot. Pas sûr qu'Alice va te Ah le oui, laisser, hein. je peux mettre le robot. Mais je te le dis. Après, Alors le robot s'appelle Nataku, Nataku. Ok. d'ailleurs. Donc Elle a. on pose la question à Alice. Du coup, actuellement, donc on veut se protéger au maximum. Est-ce que Alice préfère rester avec Nataku ou est-ce qu'elle autorise Nataku à être avec Alfred et moi, qui pourrait. Je sais que je suis apte à le protéger. Si jamais. Si vous êtes confiant dans votre capacité, Très bien. Donc dans ce cas-là, avec Alfred. je pense que l'attaque sera plus en sécurité avec vous. Très bien. Donc Décidément, elle devant. m'aime pas. Mais moi, attends, 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 attends. Oui. Moi, je passe dans le comlink équipe. Oui. Ça serait plus judicieux que vous montez tous dans la voiture, sauf le robot, que ce soit Mouli qui récupère le robot dans la deuxième voiture. Elle voudra jamais le laisser seule. Ouais. On peut poser la Sauf en question, cas d'attaque, si vous poussez tout le monde dans la voiture et que vous fermez les portes et vous démarrez, et que Mouli arrive juste derrière, on Ouais, force mais. le robot à Sauf prendre qu'en fait, l'autre voiture s'il de y a le moindre support. problème qui arrive, ils vont associer. Faut qu'on parle vite parce que le timer avance. S'il y a le moindre problème qui survient, ça va se reporter sur Ariès. Et l'idée, c'est qu'il faut pas que ça se reporte sur Ariès. Il faut qu'on ait une preuve. Moi, l'idée, si je prends Alfred avec moi, c'est qu'il est témoin Ça. de la situation et ça lui permet en fait de savoir ce qui se passe véritablement. Donc On va pas je voler. t'explique, On va je pas voler t'explique juste. ma strat. Je t'écoute. De pouvoir faire rentrer le robot dans la voiture de Mouli lui permettra de gagner du temps en tournant en rond dans les rues pour le pirater, parce que comme il va mettre un temps fou à le pirater. De toute façon, Mais Mais le tu crois qu'il va pouvoir pirater un robot de cette catégorie?
À mon avis, vu l'entreprise qu'il y a derrière, je pourrais jamais pirater le robot. Hein. S'ils ont pris un robot, c'est pas pour rien. C'est que typiquement, le robot, il peut communiquer instantanément s'il y a un vol qui survient. Le robot, il faut pouvoir le déconnecter. Vaut mieux physiquement qu'il lâche la mallette. Mais faut savoir pour comment est-ce qu'on peut le faire lâcher la mallette. Ouais. Bon, du coup, faut qu'on agisse là, actuellement. L'idée, c'est... je pense qu'il vaut mieux qu'on reste sur cette logique-là. Allez. On peut pas agir tout de suite, là. Enfin, après, moins que vous ayez une solution miracle, mais il faut que les brigands agissent. Nous, de notre côté, on va passer l'information. On monte dans la première voiture et Mélusine part avec Alice et Priya. Ça vous va ou pas? Ça me va. Ouais. Allez. Ouais, ouais. Et je récupérerai le nain avec moi. Bah, Strat, t'as pas été compris. Non, mais moi, je vous rejoins plus tard en moto. Ouais. À moto. Ouais, en moto. C'est ça. De son côté. Moi, je garde la moto. C'est le MJ qui décide après. Moi, vous me donnez votre plan et puis là... D'accord. Donc, c'est quoi, tu veux proposer à Alice que vous montiez avec Priya et elle? Moi, je monte avec Alice et Priya. D'accord, et donc du coup, le majordome reste avec Rodval sur le trottoir pour l'instant. On va monter dans la voiture, en fait. Non, tu veux monter d'abord? Ah oui, t'as raison, ouais, on peut faire comme ça, ça me va. Allez, ça me va. J'invite donc Alice et Priya à monter dans la voiture en premier. Elles se font pas prier, mais elles attendent que tu ouvres la porte. Mon Dieu. Non, mais c'est normal. Priya, prier, Priya, enfin bref. Oh, mais t'es con, toi! C'est pas moi, voilà, c'est bon, voilà. Je leur ouvre la porte, j'en tiens, je l'attends. Vous êtes dans la voiture et. Ça commence à péter. Hein. Voilà, ah oui, c'est les mecs viennent d'arriver? Ouais, ça commence à péter parce que l'idée c'est qu'elle se barre rapidement avec la voiture et nous, de notre côté, on va partir de l'autre côté. Oui, mais il faut que Mouli il avance avec sa voiture. Non, pas encore. Rapproche, hein. Pas encore. Voilà. Donc, avant que ça pète, Alice qui est en train de. Ça se sermonnait par rapport à Nataku, elle se demandait si on allait tous pouvoir tenir dans la voiture, que le robot était important, etc. Et à ce moment-là, ça commence à péter. Et t'as Priya, qui fait, ni une ni deux, qui attrape Alice, et qui lui dit « Montez vite dans la voiture, madame », et toi, tu vois le majordome qui met sa main dans sa veste. D'accord, très bien. Moi, je verrouille la portière et je dis au chauffeur de démarrer. Et je rassure mademoiselle Alice en disant qu'un deuxième véhicule arrive pour prendre les seconds passagers, que notre équipe est sur place. Et que moi, j'assure leur sécurité à L2 et que mes collègues gèrent la suite. Faites votre travail. Allez. Tu vois qu'elle est très calme. Elle est parfaitement stoïque malgré la situation. Le seul truc qui l'aurait un petit peu bousculé, c'est le fait que Priya est bourrée dans la voiture à toute vitesse. Mais elle est vraiment très calme. Alors moi, j'envoie un message en pensée à mes collègues. Méfiez-vous, le robot est sûrement un robot de combat. Et oui. Elle lâche quand même un truc en disant, je leur avais dit, je dois choisir un meilleur quartier. Les probabilités de sécurité dans celui-là n'étaient pas excellentes. Non, mais c'est pas nous qui avons choisi. Hein. Non, mais elle parle de son équipe quand elle dit ça. Ah. C'est eux qui ont péri ici. Ouais. Bah, tu l'as rassuré en lui disant, vous inquiétez pas, vous avez choisi l'équipe qu'il faut. On va vous le montrer. Non. On va vous prouver. On n'a pas besoin de lui prouver quoi que ce soit. On va lui montrer ce qu'on sait faire. Ouais, bah, t'as raison. Ouais. On arrive, on est efficace. Là, la voiture, elle part en trombe. Allez, la voiture, elle part en trombe. Je la dégage. Ok, donc hop, la voiture, elle est partie. Et on a eux qui sont dedans aussi. Voilà. Du coup, nous, sur le principe, on est rentrés se mettre à l'abri. On va passer par l'autre côté du bâtiment. Voilà, vas-y. Les autres, pendant ce temps-là, ils sont en train de faire du grabuge, ils sont en train de tout péter. Voilà, bah, ils sont en train de déraper, tirer dans tous les sens. Dans la rue. D'ailleurs, vous commencez à entendre des drones de flics qui commencent à débarquer. J'envoie un message à Isil via les communicateurs en lui précisant de vraiment se méfier du robot pour faire des victimes. Le robot est avec moi. Oui, mais il va pouvoir faire des victimes. Je pense que c'est un robot de combat. Je suis pratiquement sûre que c'est un robot de combat. Bah, il lui aura pas confié la mallette si c'était pas le cas. C'est ça. Sûr. Mais donc, bah, va payer ton délire pour lui enlever de la main, cette espèce de saloperie. Par contre, est-ce que toi qui es spécialiste dans les drones et l'électronique, est-ce que tu peux regarder si ses mains, phalanges, ont des failles? Non, mais il le verra quand on sera dans la voiture, du coup, on va monter dans la voiture après, alors. Ouais. En fait, ouais. Le problème, c'est que je suis trop loin pour l'instant. Non, mais c'est des communications, hein, justement, c'est pour que tu regardes après. Ouais, mais de toute façon, l'idée, c'est que du coup, on va monter dans la voiture avec Isil. On a contacté Isil en urgence. Ouais. Je suis en train de discuter devant Alfred. Alfred, vous inquiétez pas, donc on a immédiatement un véhicule qui va venir nous récupérer. C'est quoi, c'est Nataku, c'est ça? Nataku, c'est le nom du robot, ouais. Est-ce que je suis censé m'adresser à Nataku? Nataku sait très bien ce qu'il a à faire. Tu peux essayer, il a rien dit, rien fait pour le moment à part vous suivre. Et on n'est pas censé savoir son nom.
Si, elle l'a dit. Elle l'a présenté. C'est pas qu'elle l'a présenté, mais quand vous êtes partie de l'héliport, elle s'est retournée. Elle a affiché un grand sourire. Première fois que tu as vu une émotion sur son visage. D'accord. D'ailleurs, en disant Nataku, je t'en prie, suis-nous. Très bien. Il est censé pouvoir répondre ou pas si je lui parle? Comme je te l'ai dit, pour l'instant, il a rien dit, rien fait à part vous suivre. D'accord, très bien. Si tu l'interroges pas, tu sauras pas. Ouais, bah je vais lui poser la question. Nataku, êtes-vous en mesure de protéger votre équipement et ainsi que Alfred, sachant que actuellement nous sommes dans une traversée rapide du bâtiment? Je ne pense pas que nous nous fassions attaquer de manière conséquente. Il y a le robot qui te coupe. T'as ses yeux numériques, c'est un affichage numérique, ses yeux en fait, qui s'éclairent encore plus et tu entends un. Très bien. Ok. Et là, t'as Alfred qui te regarde, qui sort son flingue et qui commence à tirer dans la rue. Très bien, moi ça me va. Il s'est mis à couvert. Tu sens que le mec a une formation militaire, quoi. Oui, bah, impeccable, ça me va. Bon, très bien, donc c'est un toaster, génial. Toaster, suis-nous, toaster. Et un toaster et Alfred. Non, Nataku, Alfred, je vous prie. Donc le toaster est piratable. J'ai tout le début. Non, pas sûr, pas sûr. C'est pas sûr, c'est pas sûr. C'est juste qu'on parle pas le même langage. À mon avis, c'est mort. On parle pas du tout le même langage. Là, pour ce coup-ci, ouais, je pense que c'est mort. Tu vas avoir le moyen de l'analyser de toute façon. Bon, faut qu'on trace. On va aller rejoindre rapidement Isil. J'ai informé Alfred et Nataku que nous avions. Alors là, tu viens de courir 6 km. Oui. En bon mouvement, là. Non, mais en fait, la voiture, je la touche. Vous êtes pas en combat, là. Oui, c'est pour ça que j'avance comme ça. Isil est au volant. Il y a toujours des coups de feu qui résonnent. Isil est pas au volant, elle est sur son ordinateur. Donc, c'était pas le volant. C'était pas ça la logique ? Ouais, il faut bien qu'il y ait une personne qui conduise lui-même. Parce qu'on n'a pas dit que c'était Ghost, hein. Alors, on du a coup, dit... c'est moi qui conduis la voiture. Oui. D'accord, ça me va. Mais du coup, quand je te vois arriver, je te laisse le volant et je me mets sur le siège passager. C'est ça. Ouais. Je prends le volant. Ah, vaut mieux. Ça continue de tirer du coup. J'ouvre la porte pour que Nataku et Alfred rentrent. Je fais en sorte que Alfred soit à l'avant et que Isil soit à côté de Nataku à l'arrière. Donc, siège passager, Isil, elle s'était mise à l'arrière. Du coup. Oui, c'est ça. Tu vois que Alfred se met entre les coups de feu et Nataku. Entre les coups de feu et Nataku. Okay. D'accord, donc il protège le... Okay. Le robot. Ouais, et toi, tu vas me faire un jet de défense. Moi ? Ouais. Et je viens de faire un, je ne vois pas. 3. Un 3. Ok, c'est bon. Les ballons sifflés, mais... D'accord. Et ça siffle quel air, une balle ? Ça siffle Vigne comme un mort. Train. Ça siffle comme un train. Et j'entends siffler le train. Ok, très bien. Nickel. C'est la marche funèbre aussi, non ? Donc du coup, c'est bon. Vous êtes tous montés Est-ce que Isil peut faire une action ? Est-ce qu'Isil peut faire une action ou pas, là ? De toute façon, vous allez... On va se balader. Et marrer. Ouais, bon, on démarre, on avance. L'idée, ce serait que Isil essaie de un petit peu sonder, voir qu'est-ce que c'est comme modèle de droïde, quelle serait éventuellement sa sécurité, qu'est-ce que tu peux avoir comme information, toi, en tant que hacker. Ouais, mais faut pas qu'elle se fasse choper. Ouais, non, mais elle peut regarder déjà. Elle ouvre les yeux, elle regarde la machine, je pense qu'elle peut déjà diagnostiquer, enfin, comme un peu. Oui, Après, si tu te fais choper, tu peux justifier que tu sois curieuse. J'ai touché par là, j'étais curieuse. Petite coquine. De toute façon, c'est un drone, et les drones, c'est ma spécialité, donc j'ai sans doute moyen de le regarder un petit peu en détail. Allez. MJ. Alors, visuellement, tu ne reconnais pas le modèle du tout. Et ouais. c'est plus un robot qu'un drone, hein. C'est vraiment humanoïde, oui. Ça marche. Ok, ouais, ça m'étonne pas du tout en fait. Tu essaies de lui parler ? Ou t'as pas. Non, mais t'as des connaissances toi en langue des robots ? Non. Tu peux peut-être reconnaître un algorithme, je sais pas. Je peux peut-être essayer de voir pour. Déjà, il parle lui, il lui 1, 0, 1, 2. Ah, parce que bon, et moi il a fait un à part être un gibon, je sais pas ce que c'est, mais et avec toi il va faire il aime les hommes. Non, mais du coup, ouais, je vais essayer un petit peu d'en parler avec Alfred, lui dire votre robot c'est de conception
Ça vient directement de votre entreprise ou c'est une ou c'est votre c'est une création personnelle. C'est le vibromasseur. Création personnelle. Il te regarde avec un air gassé. Il te dit, vous pensez pas qu'on a d'autres priorités en ce moment? Excusez ma curiosité. Vous êtes en train de vous faire tirer dessus, je vous rappelle. Non, oui, bah non, écoute, on est parti, on est loin là. On a déjà avancé. Non, t'as pas fait de jet de démarrage de bagnole. Oh là tu veux que je fasse un jet de conduite? Oui, fais un jet de conduite. D'ailleurs, est-ce que vous avez demandé au Hellhounds de vous suivre ou pas? Non. Ou est-ce que c'était juste faire du bordel? Non, c'était ici. Du bizarre. Bah après, ça pourrait être pas mal. Non, c'était juste faire du bordel. Ouais. Faut avouer ce qui était dit, c'était juste faire du bordel. Ouais. C'est vrai. Ouais, du coup, on est en train d'avancer. Ok, très bien. Voilà, du coup, vous êtes tous. Dans les voitures, hop, tac, tac, tac. Faut qu'on parle un petit peu du quartier en disant, écoutez... Non. Moi je suis dans l'immeuble, moi. Ah, ouais. Non mais c'est... Faut la jouer pro pour l'instant, on met nos clients à l'abri. On est discret, on pose pas de questions, on fait notre boulot, ils nous prennent pour des jambons. Ouais. Soyons stoïques. On fait 15 km en 2 heures. Comme on n'est pas en phase de combat, on n'est pas en phase de... Ce genre de choses, les 15 km ça peut durer autant de temps que vous voulez en fait. Ouais. Donc du coup il va répondre à ta question, il te dit que Nataku est un modèle unique, il te donne pas plus d'informations. Je me disais bien que c'était un modèle que je ne reconnaissais pas. Il te regarde mais c'est pas qu'il te répond pas, c'est qu'il surenchérit pas sur ta réflexion. Ce qui pourrait être bien c'est que tu essayes de creuser dans la direction de en termes de protection. Oui. C'est qui l'a le bonbon en fait? Le bonbon c'est moi qui l'ai. Eh merde. Ouais mais qu'est-ce que tu veux faire avec? C'est pas le moment de l'utiliser. C'est pas du tout le moment de l'utiliser. Là ils vont savoir que c'est nous immédiatement en fait. Oh, là, bah c'est, oui. C'est pas le bon cadre. On est seul dans une voiture. Est-ce que je peux essayer de regarder un petit peu si le robot il est équipé de différentes armes ou si je peux au moins identifier le fait que ce soit un robot de combat ou pas? Visuellement, tu remarques pas s'il a des armes ou pas. Par okay. contre, est-ce que c'est un robot de combat? À moins que ce soit un prototype d'une génération que tu connais pas, t'as pas l'impression qu'avec son physique relativement fin, sauf au niveau des membres manipulateurs, tu puisses ranger beaucoup d'équipements en fait. Okay. En fait, voilà, ouais. Si ça se trouve, c'est juste un robot de manipulation ultra précis, quoi. C'est un porteur. Oui, mais oui, Alice a l'air d'y tenir. Je pense qu'il a un traceur. On aurait dû le mettre dans le coffre, en fait. Et faire voler la voiture. Faire voler la voiture. Pourquoi tu vas voler la voiture? Ça, on aurait prétexté qu'on avait oublié le coffre. Enfin bref, qu'importe. Du coup, bon, dans l'idée, on est dans la voiture, on est en train d'avancer. Là, actuellement, on a quand même le temps de poser les questions, mais... visiblement, il n'est pas forcément armé. Alfred, bon, je pense qu'il est armé. Il s'est un petit peu détendu, mais il est armé. Est-ce que je peux identifier son type d'arme? Alfred? Ouais, c'est un pistolet lourd. Très bien. Chose. Je voudrais analyser un peu la personne. Qu'est-ce qui est une meilleure perception en fait? Attends, perception, moi je crois que j'ai 10 en perception. C'est ça? Pas besoin de faire un jet, tu veux que je te le détaille physiquement? Oui, ouais. Son équipement. L'équipement, à part le flingue, vous avez rien vu d'autre. Il a une canne. Qu'il utilise pour marcher, mais quand tu l'as vu saisir son flingue, tu te rends compte qu'il n'en avait pas forcément besoin. Soit c'est un accessoire, soit c'est pour le style majordome, quoi. Ou alors c'est une arme cachée. Voilà, c'est ce que je dis, soit c'est un accessoire, soit c'est juste pour le style. T'as pas remarqué d'icône particulière quand tu l'as vu au niveau de la matrice, sauf peut-être une icône de deck, mais t'as reconnu le modèle, c'est pas un modèle de piratage. Donc on n'arrive pas à savoir s'il est... C'est plus pour pouvoir avoir accès à la matrice en réalité augmentée, tu m'as dit. Il est il est signé de toute façon. Il est signé Renraku. Ok, et on n'a pas de détails sur lui. Ouais, d'accord. Ça vous le saviez. Sinon, physiquement, 1m80-90 à peu près. Il a bien un costume noir, des cheveux coupés courts, à la militaire presque. Augmentation cybernétique. Sans être rasé sur les côtés, aucune augmentation cybernétique. Barbe bien taillée, regard sévère. C'est une personne qui se tient bien droite. Là, dans la voiture, il a la canne entre les jambes et les deux mains sur sa canne. Ok, très bien. Bon, ça, je passe les informations du coup aux deux autres en leur disant qu'il n'a pas du tout d'augmentation, pas de modification visuelle, visible. Donc, ça veut dire en gros que la personne, d'un point de vue de. En gros, c'est un combattant véritablement qui a l'air aguerri et qui a l'air confiant. Mmh. Et il semblerait qu'il n'y ait pas spécialement des égratignures de guerre, quoi. Il semblerait. Après, sa canne peut-être cache quelque chose. Il a une belle balafre. Il a une cicatrice sur le visage. Elle est une cicatrice. Ah oui, okay. Il a une belle balafre. Okay. Bon, au-delà de ça, il n'a pas l'air d'être spécialement fragile. Et je pense que je passe l'information qu'il faudra vraiment se méfier de lui.
qu'il est potentiellement dangereux. Ouais, c'est à lui que pourrait potentiellement aller le petit bug. Vous avez éventuellement une suggestion, il faudra qu'on récupère également le nain. J'ai une suggestion, moi, c'est... Alors, si le robot n'a pas l'air potentiellement d'être un robot de combat, je pense que c'est le robot de compagnie d'Alice. C'est plus son enfant, son accompagnateur, c'est la personne en qui elle a le plus confiance, puisque c'est un petit génie, elle est brillante, elle a pas forcément énormément d'interactions avec les autres. La preuve en est que dès qu'on a essayé de communiquer avec elle, elle a tout de suite été sur la défensive et très agressive. Donc, non, c'est pas elle. Aussi, c'est son 6PO, c'est bon, c'est elle qui est montée sur les grands chevaux. Je pense que elle prend beaucoup les autres pour des imbéciles et du coup elle n'a confiance qu'en une seule et unique personne, en son robot. Alors c'est son majordome et son assistante, elle les apprécie, elle connaît leurs compétences, mais il n'empêche que la chose pour elle qui est le plus précieux, c'est son robot. Et je pense que même le réacteur à côté de ça, elle s'en cogne un peu, elle préférera son robot. Ah, ça peut être intéressant, ouais. Parce que le majordome, qui n'a aucune augmentation, qui est un humain mortel et complètement bateau, il a protégé le robot. C'est vrai. Un robot, le gars, il se prend une balle, c'est pas grave. Alors que Alice a fait le seul sourire qu'elle a fait, c'est au robot. Donc je pense que il va falloir réussir à faire lâcher la valise au robot. Donc soit en menaçant Alice directement, soit en piratant. Oui, non mais c'est compliqué. Mais menaçant Alice, on n'est pas forcément obligé de le faire nous-mêmes.